Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un exercice pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. On assouplit et on renforce. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur de Roule sur la Forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Je vous invite, bien sûr, comme d'habitude, à faire cet exercice avec moi. Placez-vous sur le tapis. Hop. On vient plier un petit peu la serviette pour pouvoir y poser la tête. Je vous invite à allonger les bras vers l'avant, les jambes bien fléchies, c'est-à-dire les genoux, hop, juste devant les hanches. On vient attraper les obliques et on vient les soulever hop, du sol. Donc soulevez bien les obliques du sol. On vient y placer une petite bulle d'air, d'accord, une bulle d'air imaginaire. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre. On inspire, on va glisser la main du dessus vers l'avant, le plus loin possible. Ensuite, vous allez garder le bout des doigts au sol. On va passer le bras au-dessus de la tête. L'idée, ça va être de venir poser les deux épaules au sol et d'avoir les bras bien ouverts. On a toujours cette petite bulle d'air qui est toujours là, présente, même si elle est un peu plus fine. On a les deux genoux bien au sol. D'un seul bloc, vous allez revenir ramener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Hop, on se redresse. Restez là, c'est-à-dire en remontant, vous n'allez pas remonter juste le bras, c'est vraiment le torse, vous allez remonter la poitrine et le bras en même temps. Là, imaginez que quelqu'un vous attrape la main, vous tire vers le haut. Et là, on va accentuer la petite bulle d'air que l'on a entre les obliques et le tapis, et on repose. Inspire, on allonge, expire, on ouvre, inspire, d'un seul bloc, on remonte, et on repose. Inspire. Expire, on ouvre. Inspire, on monte le bras au plafond et on repose. Encore deux fois, inspire. Posez les deux épaules au sol, c'est votre objectif. Hop, on remonte d'un seul bloc et on repose. Une dernière fois, inspire, on allonge. Expire, on ouvre, donc on pose bien les deux épaules, les bras ouverts, les genoux serrés d'un seul bloc. Hop, on sent vraiment l'activation de tout le centre du corps dans ce mouvement. Et on repose. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. On se redresse. Hop. On pivote. Donc, on vient se remettre avec la serviette sous la tête. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Les genoux bien devant les hanches. D'accord. On attrape les obliques. Donc, on les soulève. Hop. Du sol. Tac. Parfait. On allonge vers l'avant. Inspire. On garde le bout des doigts au sol le plus longtemps possible. Si vous n'arrivez pas à poser vos deux épaules au sol, c'est qu'il faut bien travailler vraiment la mobilité de votre colonne vertébrale. Bien sûr, cet exercice, c'est parfait. D'un seul bloc, ici, on monte. Donc, j'insiste bien, on ne monte pas le bras, d'accord? On soulève la poitrine, le bras hop, suit le mouvement. Et là, on exagère le fait de gonfler un peu plus cette bulle d'air. On replace la main. Inspire, on allonge. Expire, on ouvre. Inspire, hop, d'un seul bloc, on lève et on repose. Encore, inspire, souffle, ouvrez, 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 d'un seul bloc, on lève, on monte la main et on repose. Inspire, encore deux fois. Expire, on ouvre. Inspire, hop, on soulève les obliques et on repose. Dernière fois, inspire. Expire, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Gardez les genoux collés, soulevez et reposez. Parfait. On ramène bien les genoux, on prend toujours appui sur une main, on se redresse. C'est bien. Et bien, c'est un exercice de mobilité que vous allez pouvoir retrouver dans le programme Pilates du programme 66 et de Roule sur la Forme. N'hésitez pas, je vous invite à aller faire un petit tour sur Roule sur la Forme pour y découvrir mes différents programmes, à la fois mes programmes de perte de poids, de renforcement musculaire et mes programmes de mobilité. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez apprécié cet exercice, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Généralement, je réponds assez vite. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'entraînement. Ciao, ciao!